27 septembre 2024, l'Académie militaire Georges Mamonneau nous fait encore l'honneur de nous présenter en ces lieux historiques des forces armées nationales une cuvée de jeunes officiers issus des rangs et d'officiers spécialistes. Ceux que nous célébrons ce matin ont duré 9 mois pour les spécialistes et 8 mois et demi pour les issus des rangs appris à s'approprier des rudiments du métier des armes et les contraintes de la vie d'officier. À l'issue des contrôles et des examens qui leur ont été administrés, les résultats obtenus se présentent ainsi qu'il suit. Pour la 8e promotion et hier, la plus forte moyenne, la promotion est de 16,091 sur 20. La plus faible est de 13,257 sur 20. La moyenne de la classe est donc de 14,867, avec un taux de succès de 100%. Pour la 14e promotion EOS, la plus forte moyenne de la promotion est de 16,80 sur 20. La plus faible est de 12 sur 20, dont une moyenne de classe de 14,06, avec un taux de réussite de 100% des éléments qui ont été présentés aux examens. Au vu de ces résultats fort satisfaisants, les élèves officiers ici présents ont acquis les connaissances nécessaires pour tenir leur emploi au sein des Forces armées nationales. Par conséquent, conformément au texte en vigueur, je les déclare admis et dignes méritants du galon de sous-lieutenant. Soyez des officiers compétents et ingénieux, capables de faire le maximum avec peu de ressources et travaillant dans l'intérêt premier du peuple burkinabé. Au-dessus de tout, n'oubliez jamais qu'un officier est un homme pétri de valeurs de patriotisme, d'intégrité, de droiture et d'engagement sans faille pour la défense de sa patrie. Rappelez-vous donc, en tout temps et en tout lieu, du sens de l'honneur, de la dignité, du don de soi, mais aussi de l'humilité et de la loyauté. Loyauté vis-à-vis de vos chefs, mais aussi et surtout vis-à-vis de ce vaillant peuple que notre institution a le devoir suprême de servir. La 8e promotion des élèves officiers issus des rangs a fait son entrée à l'Académie militaire Georges Mamonneau le 20 janvier 2024 pour un cycle de 8 mois. Forte d'un effectif de 63 stagiaires, nous avons embarqué sans pour autant présager les défis qui nous attendaient. Nos convictions d'antan se sont heurtées à la réalité des traditions de l'Académie militaire Georges Mamonneau et au moule de l'officier des Forces armées nationales. Pour cette refonte, nous avons payé par notre sueur, notre courage et même de notre sang. Un nouveau nous, les entrailles de Manon, va prendre forme. Jour et nuit, nous avons été sollicités physiquement, moralement, mentalement et intellectuellement à travers près de 700 km de marches cumulées, des séances de wiki lourdes chaque semaine, des sorties terrain et séances de tir régulières. Axé sur la rupture d'avec nos habitudes antérieures pour revêtir et incarner l'officier, ce processus s'est porté sur la formation générale, physique, administrative et technique, sans oublier la phase initiatique à bout. Des stages spécifiques ont également enrichi ce cursus, au nom desquels nous pouvons citer le stage de directeur de mise en œuvre des explosifs, le sauvetage au combat et l'initiation et aguerrissement aux techniques commando. Malheureusement, un des nôtres n'achèvera pas le parcours et sera arraché à notre affection au cours de ce périple. Nos condoléances à sa famille, puisse son âme reposer en paix. Nous sommes prêts et fiers de retourner aux côtés de nos frères d'armes sur le terrain et avec ses acquis sous l'égide de la hiérarchie pour réprimer toute forme d'asservissement de nos populations. La 14e promotion des élèves officiers spécialistes a effectué sa rentrée à l'Académie militaire Georges Mamonneau
le soir du samedi 23 décembre 2023 pour un cycle de 9 mois. Fort d'un effectif de 61 stagiaires, tous burkinabés, dont 7 personnels féminins, cette promotion est riche de 13 spécialités. Il y a 9 mois, nous recrutions cette formation pensant qu'elle serait difficile. Mais la réalité a été bien pire. Nous avons enduré les longues marches nocturnes, les douleurs, la faim et la soif incessantes. Pourtant, au fil de ces épreuves, elles se sont transformées en défis grâce à notre capacité d'adaptation. Nous avons découvert des ressources insoupçonnées en nous, apprenant à nous surpasser et à affronter chaque obstacle avec fierté. Nous avons appris à compter sur nous-mêmes et sur les autres. Cette métamorphose de civil à militaire s'est donc opérée dans la sueur, la douleur, mais aussi dans l'émerveillement et toujours dans les traditions de formation de l'élève officier de Manon. Aussi, pendant ces 9 mois de formation, nous avons suivi des modules et stages variés qui nous préparent aux défis sécuritaires actuels et futurs avec des évaluations pour valider nos acquis. Outre les compétences militaires, nous avons aussi intégré des valeurs essentielles telles que la discipline, le respect, l'honneur, le courage et le patriotisme qui sont désormais gravés en nous après notre séjour à Manon. En cette période de crise marquée par les menaces contre notre patrie et la paix de notre peuple, la 14e promotion des élèves officiers spécialistes comprend l'ampleur des attentes du commandement et de nos concitoyens. Nous sommes prêts à servir notre patrie, même au péril de nos vies. À vous, chers promotionnaires, rappelons-nous que nous devons agir avec exemplarité et dignité, tant dans le service qu'en dehors de celui-ci. Répondre à l'appel du devoir avec sollicitude et probité. Former et inspirer les plus jeunes avec pédagogie et savoir-faire. Un honneur de venir présider les cérémonies de sortie. Et vous l'avez senti que depuis un moment, nous sommes en train d'effectuer la sortie de promotion. Et ça, c'est instruction du président du FASO, chef suprême des armées, qui avait donné un planning, notamment pour le relèvement des effectifs. C'est vraiment de gros effectifs maintenant. Et aussi que ça soit calé de manière à ce que les gens sortent vraiment octobre, novembre ou plus tard. Et ça, ça va de plan de redéploiement de l'ensemble des forces dans le cadre vraiment de ce qui va concerner le maillage du pays. Et ça vient encore donner un souffle nouveau déjà à ceux qui sont sur le terrain. Tout ce que nous souhaitons, c'est que nous prions pour l'ensemble de ces jeunes qui sortent aujourd'hui. C'est des spécialistes aussi, des officiers issus des rangs qui étaient des sous-officiers déjà pétris au maîtrise des armes. Nous leur souhaitons surtout bonne carrière et que de toute façon, ce soit pour le rayonnement et la sécurisation totale de l'ensemble du territoire. De l'information au Burkina Faso.